On avait à cœur de remporter ce match. On savait que c'est très important quand tu rentres dans une compétition, le premier match. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait le nécessaire, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps. On a maîtrisé ce match. On a marqué 3 buts, on en a encaissé 0. Donc voilà, on continue à travailler tout en étant humble. J'étais très content. J'aime pas penser à moi. Tout de suite, j'ai pensé à que j'ai donné l'avantage au pays. Donc après, Lamine Camara nous met 2 magnifiques buts. Donc voilà, on est content, mais on sait qu'on va continuer à travailler. On a un deuxième gros match. Belle victoire, je pense que c'était nécessaire, c'était important pour nous de bien commencer cette compétition parce qu'on sait que c'est une compétition qui est difficile. Surtout pour un tenant du titre, souvent ils jouent des matchs compliqués, mais je pense qu'aujourd'hui on a su être au-dessus, on a contrôlé le match du début à la fin. Voilà, aujourd'hui on est satisfait de notre match, mais il y a encore des choses à améliorer et on va aller se reposer et essayer de préparer le Cameroun. J'ai loupé la précédente à cause d'une blessure. Aujourd'hui, ça doit être une motivation supplémentaire pour moi. Je pense que c'est l'essentiel. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien de marquer dans cette compétition. On sait que c'est une compétition importante. Mais bon, voilà, on a débuté bien et voilà, on va essayer de se concentrer sur les prochains matchs, Inch'Allah. Je me suis préparé à ça. Voilà, c'était un rêve pour moi de jouer dans cette équipe. Aujourd'hui, j'y suis et le coach me fait confiance comme tous les jours. Et voilà, moi aussi, je me concentre et en sachant que je peux marquer d'autres buts pour pas le faire et aider l'équipe. C'est une fierté de voir ces jeunes s'épanouir dans cette équipe nationale. Ça fait un boom au cœur. J'étais tellement content pour lui. Et je pense que, voilà, dommage pour Pape qui est blessé, Famata Sarr aujourd'hui. Et honnêtement, je pense que ces jeunes vont nous valoir beaucoup de choses. De notre côté, on va essayer de faire le mieux pour qu'ils s'épanouissent encore plus dans cette équipe nationale. Et c'est notre rôle. Et on va essayer de les pousser, les aider surtout. En tout cas, je dirais oui. Après, ça ne suffit pas parce que je pense qu'en 2019, on a mal débuté. On s'est vu en finale. 2022, on a aussi pas bien, pas mal. On s'est vu en finale. Là, on a bien débuté. Ça commence bien. Je pense que il faut oublier le plus tôt possible. Surtout, essayer de concentrer les autres matchs qui arrivent, qui vont pas être aussi faciles. Mais on s'attend à tous les matchs qui soient difficiles. Et aussi, on est prêt. On est prêt à affronter ces difficultés, surtout à atteindre notre objectif.